situation très compliquée pour Haïti. Ou même pas dit difficile, ni délicat. La situation est très compliquée pour un pays, pour notre pays, pour une nation ça qui est Haïti. La situation est très compliquée. Il y a des décisions qu'à prendre en plus haut niveau sur le plan international avec des puissances pour résoudre la question Haïti également pour faire une mémise sur ça nous gagnons là comme richesse parce que il y a des mondes, il y a des secteurs dans la communauté internationale là, il y a des pays qui sont de grande puissance qui commencent à affaiblir. Il y a des réserves qui ont été gagnées, ils sont obligés à mettre main dans les réserves, ils sont obligés. Je dis à réfléchir donc sous 40 ans, sous 50 ans. Et tout géo là, je dis à madame, monsieur, tous les yeux, ils ont viré sur Haïti dans le moment où on a parlé là. Tout pays ça, ils ont tout des fourchettes dans le main, puis ils ont piqué, puis ils ont coupé, ils ont des couteaux dans le main, puis ils ont coupé. Tout géo là, géo calé sur Haïti. Parce que justement, cette bataille, quoi qui est là avec le peuple haïtien, il y a tout simplement un rapport avec ce que nous avons comme ressources, comme richesses à partir de notre sous-sol, madame, monsieur. Ça, c'est l'intérêt international. Donc, qui utilisait les groupes en Haïti avec justement des esclaves pour produire ce qu'il a comme situation. Madame, monsieur, est-ce que vous savez que les gangs, ils ont des ramifications internationales, est-ce que vous avez? Est-ce que nous connaissons que Gagnon a des ramifications internationales? Donc ça dit que aujourd'hui, nous vivons dans un espace côté que Haïtien n'a pas gagouillé encore. Là, le dit ça, Zahir. Là, le dit Haïtien n'a pas gagouillé encore. Vous avez un bon rappel maintenant à tout. Dans le carnaval. Ou tellement pressé, comme si. Regardez, on a oxydé. Foule la compacte. Foule la compacte. Coincé. Même un petit goût à l'eau, pas café. Oui, oui. Donc Haïti, Haïtien, je dis, nous vivons nos situations, nous menons tête dans nos situations, côté que même Gouyen n'est pas qu'à Gouyen encore. Du international. Nous là, madame, aïe, 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 nous madame, monsieur, aïe, 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 encore. Madame, monsieur, international là, ok, il prend Haïti en otage. Le secteur de l'international, il prend Haïti en otage, je dis, pendant qu'on a parlé là. Et il mène nos chaos. Et nous acceptons mener tête nous dans le chaos. Je dis à un cafou qui arrive là, nous arrivons dans le cafou côté que nous obligés pour accepter l'inacceptable. Madame, monsieur, mettez nos dimensions pour nous comprendre. Mise en contexte ce matin. Je dis à un cafou qui arrive là, ben matin à tout. Descendant en bas sous béton, si je prends une ligne téléphonique, je quitte la ligne ouverte, je demande pour la diaspora arriver. Mande pour nek nan ghetto yo rele tout moun ap dou yo pour yon intervention militaire. Quel que soit le niveau ou prendre la société. OK, si m'ta ouvert ligne matin konya là. Quel que soit moun ka pété venir l'abdou, nous sommes pour une intervention militaire. Donc nous vinn nou ka fou kote que nous obligés à accepter l'inacceptable. Et là, nous arrivons là. Elle dit que nous côté arrivés là, nous besoin des dirigeants intelligents pour faire face à ce spectre pour la survie du peuple haïtien. Parce que, madame, monsieur, ce jeu dans lequel nous sommes, il n'est pas un jouet d'amateur, il est un jouet d'intelligents et de connaisseurs. Donc c'est moun qui connaît qui pour faire jouer ça parce que si moun li pas connaît si dirigeant ou pas éclairé nan jouer ça côté que nous parle là déjà nous sommes déjà perdants. Ce matin je dis à madame monsieur international a gen piel sou haïtien. Regardez ce qui se passe aux États-Unis avec les haïtiens, avec les migrants haïtiens. Regardez ce qui s'est passé donc en Guyane française avec les haïtiens. Et tant d'autre côté encore. Qu'est-ce qui a passé en République Dominicaine avec les Haïtiens? La déportation donc massive des Haïtiens. Bahamas.
que sais-je encore. Vous savez, dit madame, monsieur, nous sommes pris au piège. Nous portons tête dans le piège là. Et de fait, Jodia nous prend un piège là. Toute bataille qui vient là, madame, monsieur, sur le plan international, l'intérêt de l'international, il parle l'autre bagaille que ça nous gagne en bataille. Comme richesse, comme ressource. Donc, naturel, madame, monsieur. Parce que des pays là, qui sont grandes puissances, qui commencent à faiblir. Réservés commencent à finir. Donc, il faut regarder. Et il y a là des autour qui commencent à évoluer. Qui ont d'autres ambitions à comparer à la politique mondiale, la politique planétaire là. Et il y a des matériaux qui ont besoin. Et bien, c'est seulement en Haïti qui est capable de venir plus facile. Puis, on fait technologie avancée. Et je dis à tout pays, ça a grand géocalé sur Haïti. Géocalé! Géocalé sur Haïti. Ok, c'est ça l'intérêt de l'international. L'intérêt, c'est, je vais t'affaire fait avec le secteur, en partie du secteur économique, le secteur de la bourgeoisie, et puis la classe politique qu'on est là. Mais ça gagne là comme bataille, madame, monsieur. À partir de cette réflexion, il t'a doué pousser nous comprendre, je dis à peu maintenant à tout, qui ça nous a fait qu'on y a. Parce que nous sommes déjà à genoux. Nous sommes déjà à genoux. Et la République dominicaine, le président Luis Abinader, a fait tout ça qu'on est dans le moment de parler là pour mobiliser tout allié lieu de la Caraïbe et de l'Amérique latine sur le dossier d'Haïti. Pendant à parler là, tout. Même la fondation Bill Clinton, Corée des Marches, donc Luis Abinader, ok, sous question ça, parce que je dis là, il faut en finir avec le dossier d'Haïti. Finir avec le dossier d'Haïti, c'est pas comme Nadou et qui bah Haïti la peine. Non. Et affaire bah ressources là et ça nous gagne bah sous là faut l'attaquer. Ah ben faut nous commencer, faut nous commencer manger ça gagne bah sous là. Ah ben le codésir. Comprenez bien madame monsieur, je suis venu des aïe. Et si secteur international ça yo, yo clair sous question, faut commencer mettre main dans ça nous gagne. En bataille. Faut commencer fouiller. Ils avaient commencé sous la présidence de M. Joseph Michel Mandela, songez, du premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Ils avaient commencé sous la présidence de M. René Cassavreval. Mais constitution pays, il n'y a pas de bail droit pour y être rentré sans problème, donc non au sous-pays. Nous songez là, sénateur Maurice Jean-Charles, tu comprends quoi? Et sous-président Michel Martelly, malgré que tu aies des tentatives qui ont commencé à faire, il n'a pas abouti. Nous songeons même qu'on frère de Mme Clinton, qui est un livre qui dénonce son frère de Clinton, sous question, richesse, pays, madame, monsieur, ça nous gambasse sous sol là. Nous avons la conseil, je vois qui là. Eh bien, force ça. Dans le cas où nous arrivons là, quitte à ici, quitte à ici, pas vrai. Ce secteur de l'international, il y a clair sur question, pas de caca comme ça. Qui a été simple, qui a été simple. Qu'on a poté bourré là. Il y a poté bourré. Et poté bourré, madame, monsieur. Le docteur Ariel Henry a une certaine responsabilité. Ainsi que l'ancien président Joseph Michel Martelly a une certaine responsabilité dans poté bourré. Parce que pour arriver là, de toutes les façons, pas de route, pas bois, la condition sine qua non, il faut quand même qu'il y ait une nouvelle constitution. Et c'est cette nouvelle constitution qui va permettre que yo-même, ce secteur de l'international, yo qu'a envahi, donc que sans problème. Et bien, haïtien, les jeunes. Écoutez, madame, monsieur. En tant que haïtien, capitaine de l'émission, m'attendez pas. Enfin, moi-même, je m'attendais pas parce que. Maintenant, le débat permet que j'ai quitté Femme au Calais, bouche quitté Bébé, donc est capable de parler. Et ça que maintenant le débat. Esprit qui bien. Esprit qui te Femme au. Esprit qui te dormi au tout. Réveillé. Madame, monsieur, à ce cafou. Eh bien, pardon, t'as fait qu'à parler tout à l'heure là. Allez, non, fini. À ce cafou, madame, monsieur. Non, face nous arriver là, c'est que nous pas capable encore pour nous dire que
pays a pour nous lier, nous pas bail blanc. Nous pas gain bagon. Yo a fait blou. Non, yo a fait blou. Na face nous rivé là, nous pas capable gain tout ça en bataille. Pas gain batte stomac. Non, nous pas gain tout ça en bataille. Nous pas gain expertise pour nous exploiter. Nous pas gain technologie pour nous exploiter. Nous pas gain connaissance pour nous exploiter. De toute façon, c'est composé pour nous composer avec justement des secteurs de l'international, des pays qui très avancés pour nous capable exploiter. Mais maintenant, vous avez besoin des dirigeants justement qui capable de faire face à Mounsayo pour parler avec eux, pour faire comprendre que c'est vrai que nous avons négocié, mais pas oublier tout ça qu'a fait à fois qu'il fait dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt pays. Vous avez dit ça? Pour ça qu'a passé en Afrique, là, pas passé en Haïti. Parce qu'en Afrique, des pays, ou le Congo, des pays côté que gagné l'or, gagné diamant, gagné l'huile, gagné pétrole, et que ces puissances internationales a exploité en Afrique, et puis l'on regarde bien maintenant tout, regardez ta pays africain. Ah bon même. Donc faut nous garder dit j'ai un crendo. Toute l'Europe là, toute la France là, c'est sous dos Afrique. Sous dos de l'Afrique. Et sous dos l'Afrique. Et maintenant il parle aussi avec la Chine. Rentrer puis au Kenya avec donc en Afrique madame monsieur. Donc faut nous assurer nous garder dirigeant éclairé. Qui a une dimension. Qui entouré d'une équipe. Qui capable chita avec ces instances de l'international sur les ressources sur ça nous en bas sol là dans sous-sol là. Pour nous chita avec nous dire que pas de problème n'a bouver pays à l'investissement. Également à l'exploitation de nos ressources minières. Mais comment nous le faisons? Mais tout ça qu'a fait, il faut qu'il fait dans l'intérêt population, il faut qu'il fait dans l'intérêt pays. Jodi, pas aucun haïtien qui est capable de camper pour battre ce matin pour dire que moi son nationaliste. On pas capable de faire ça. Bye, Lougou Clochman. Comment dans les bases de Malaisie, ou qu'a peut-être un nationaliste, ou qu'a peut-être un patriotiste, et puis vous dites ça n'est que ça parler là, mais écoutez, mais c'est la réalité. Qui a jodi à comment il s'est campé de battre son matli pour dire même son nationaliste. Pas composé avec blanc. Écoutez, ce sentiment de nationaliste, jodi à les papotes rien pour pays. Mais après fois tout c'est bluffé négocié. Non, dans débat n'a fait matin là. Louko, après fois négocié. Après fois négocié bluffé et Louko. Précision là important. Oui. Mais donc dans débat n'a fait matin. Dans débat n'a fait matin. Débat n'a fait matin. Oui. Parce que on pas dire. Non, nationaliste. Mais la question exploitation de mine. Et Trump se dit ça, Trump se dit lui même il c'est nationaliste. Non mais tant que ça il défend les États-Unis. Tant que ça il l'appelle là négocié bluffé. Mais non, dans débat n'a fait matin. Débat n'a fait matin. Sur que exploitation mignon. On pas parler là de question nationaliste parce que nous pas faire avec mignon. Nous pas faire avec ça nous en bataille madame monsieur comme sous-sol. De toute façon, c'est composé pour nous composer, pour nous capable, pour le capable bénéfique pour nous, pour le capable profitable donc pour le peuple haïtien. Oui, Esaïe, vous n'avez pas besoin. Oui, nous t'as parlé tout à l'heure. Là. Information. Information. Sous même question dominicanien, hein, vous rappelez-nous Abinadel, t'es baillé un ultimatum. L'effet que bah un ultimatum là, à entreprise yo. Et bah 3 mois. Hein? Trois mois. Et 3 mois? Oui, 3 mois. 3 mois à entreprise dominicaine yo. Ok. Pour pas employer aucun monde. Qui... C'est des monde qui payent un papier. Deuxièmement, 400 marozo mettez à genoux Abinadel. Il fait mais 400 marozo répond Abinadel. Sois-tu là? Ah, 400 marozo fait répond Abinadel. Là, on a parlé là. Espace frontière là bloqué. Sois-tu là? 400 marozo râler la cali dans Basli, un chauffeur dominicain. Sois-tu là? Non, on a parlé là. Eh bien, chauffeur dominicain en bas patte mais 400 marozo. Quoi de gars chauffeur là? Mais moi on a parlé. Eh bien oui, pendant Abinadel annoncé. Eh bien la paré dans semaine ça là pour tes réponses, Pablo. La semaine là la réponse 400 marozo mettez main sur un chauffeur dominicain entré en base d'Avel. Mais moi on a parlé. Non moi on a parlé. Bon, et frontière là bloquée dans moi on a parlé là, Malpass Djimani bloqué jusqu'à libération et jusqu'à libération dominicain sur le chauffeur dominicain. Game ça va pas facile. Game ça va pas facile. Permettez. Oui. Alors, dans le débat, nous sommes là, justement. Alors, oui. Bon, nous avons dit, conseil de mots pas attendant encore en Haïti. Patriotisme et nationalisme. Mais ce n'est pas qu'on ne soit pas attendant. Oui, évolue. Qu'on bataille, qu'on paye, fait. Même j'ai été tiré dans des salines dans l'histoire pays. Et qu'on bataille, fait. Contre Haïti. Et, d'un côté, aller
premier côté à aller, c'est l'agriculture. Il a attaqué Ventoux? Ah non. C'est là. Il a attaqué Ventoux, mon frère. Il a attaqué Ventoux. Donc, deuxièmement, Louko, cochon créole qui t'a tué, c'est même verbe ça que t'as compris. Il a attaqué l'économie paysanne, non? Voilà. Ouais. Donc, ça veut dire que, t'es une époque, blanc t'es enfermé 3K, t'es plein pays d'Haïti, puis t'es planté pit. C'est même bataille ça t'as fait. Bon, maintenant, si qu'on y a là, ou pas gen tripoulé, ou pas kaken ban encore, et mais il peut tout dans la tête. Les potes dans la tête là, même réfléchir ou pas réfléchir. Donc ça veut dire que, bataille là, yon gen tan gen elle, à partir de là, économiquement yon gen elle. C'est pas sans raison qu'il faut ou pas qui jouait toujours avec aujourd'hui. Hein. Lorsque Haïtien yon débarqué Mexique, yon débarqué Texas, le monde entier ouais en bas pour, qui ça gen? Eh bien, États-Unis retire moun yo en bas pour moi. Yo mette yo non côté invisible. Pierre Matin. Yo toujours continue à déporter yo. Oh oh. Yo toujours continue à déporter yo. Pierre Matin. On pas en bas pour encore. Louko Desi, José Lexidor. Pendant ma parler là, parler. Nye nyes mou en bas pour moi. Sazi blan. Ah, bon cloche, bon cloche. Pendant ma parler. Qui ça? Ni espoir de petite li ak tout maril en bas pour mon cher. Donc non, on famille intelligente qui comprennent qu'a chercher la vie. Zami, on famille qui chercher la vie. On sorti Chili à tout maril. Oh. Mon n'a chercher la vie. Débarqué, tellement saisi, li va me il va me dire moi ça. Il va me dire si la si la si la débarqué. Haïtien tab. Louko Desi. Haïtien tab. Josué. Regardez, c'est hier, Fiari lui me dit tonton, moi Miami oui là. Fia sorti Chili là les Miami. Esaïe. Fia qui est entré tout Haïtien ça yo. Et nous tout qui gen famille. Qui j'en connais Fia. Nous tout gen famille là mon cher. Chez Ibaï ça. Nous tout gen famille. Louko, pendant m'a parler, m'fâché bagarre. Et puis m'ti famille, regardez. Qui j'en connais. Et il était sous liste pour déporter. Tibit la malade. Quoi Freddy bagarre, Tibit on ti bébé. Tibit est malade. Qu'on est à blanc oublié prendre. On mène à l'hôpital. Et puis, il y a tout accordé, mon cher. Possibilité à toute Maria pour être États-Unis. Il m'a voulu. Vous allez la sauver. Oui, imaginez, monsieur. Petite la sauver. Si, mais monsieur, il y a un monde, monsieur. Pour nous faire tout ça, monsieur. Mais c'est pour vous que vous êtes intelligent et c'est la vie à chercher. Ou pas commander au monde pour le rester péri à grand goût. Ou pas commander pour bandit à venir paraître pour dire le camp en face de bandit à qui ça l'a goûté là. Non! Ils utilisent une façon pour retirer l'école et malgré tout, les grands pays disent eh ben, retournez côté aux autres. Même le mot insécurité n'est pas utilisé. Le mot insécurité n'est pas utilisé. Donc, cousin noir intelligent, mon cher. Maintenant, la leçon à tirer, madame, monsieur, de tout ça, c'est que je dis hein, mauvaise politique à partir de dirigeants. À partir de la démission de Daniel Foote des Américains. Avec Haïti, ou là, ici on a raison qui fait que je dis à nous venons ça comme résultat. Par exemple, écoutez, là, je pense que les Américains doivent également réfléchir sur ce qui se passe en fait actuellement avec les Haïtiens qui ont envahi les frontières en quantité comme ça. Si vous n'avez pas marché dans le pays d'Haïti, quand je dis un jeune garçon, tu es capable de prendre la mer. Il prend forêt mais la police, okay, pour aller la caillou donc aux États-Unis. Vraie police américaine, je dis, ou sous pas de comprendre, je dis, vous comprenez. Très bien. Mais il n'est pas là pour bagailler la marché. Ah, mais sans doute. Mais pas de plein tout. Que s'il va là pour bagailler la marché, mais mettez la tout. Ok. Maintenant, Américain, pas de plein. Parce que Haïtien, ou du moins l'autre nation, donc envahit frontière. Ok. Il pas de plein. Parce que le pays de quoi Haïti, par exemple, la chose de Kidor. La coopération Haïti avec les États-Unis, il date de plusieurs années. Il date de plusieurs années. Donc à partir de 1915. Oui, oui. Avant même. Yeah. Ok. Avant même. Donc est-ce que je dis ah, vraiment, si tu as un accompagnement des Américains avec les Haïtiens, Haïti tape dans l'État. L'Amérique appartient à. D'ailleurs. L'Amérique appartient à où aux Américains. Eh ben. Et puis autre chose également, permettez-moi d'ajouter. D'ailleurs.
Nous avons un volume de vagabonds dans le pays. Nous avons une quantité de vagabonds dans le pays d'Haïti. Je dis à qui vous habitez? Vous habitez aux États-Unis, également en Haïti. Vous équipe de la madame, monsieur, dans le pays, c'est volé. Volé, pourquoi pays? Vous avez une nègre dans le pays, c'est dealer de drogue. Quand vous habitez aux États-Unis, également en Haïti. Gabi moun la ki nan kesyon trafik d'am. Kote oyé. Kote a viv aux États-Unis également en Haïti. Gabi moun la nan peyi a la ki nan trafik humain. Kap vann ti moun. Comme si Américain pa konnen yo. A ki yes y a vann ni? Comprenez bien madame monsieur. Et jodi a la ki sa ka poisonne peyi a? C'est pas eba moun sa yo. C'est pas équipe moun sa yo ki se des mafias, des voleurs, des moun comme nan dou pa aucun rapport peyi a. Qui seulement contenté eux depuis pays a pas bon li pi bon bouyo comme si les Américains pas reconnaît. Écoutez, s'il y avait effectivement une volonté réelle, un soutien dynamique en permanence des Américains donc à pays d'Haïti, eh ben je dis à nous pas la situation ça. Comme dans phase nous est là, c'est en fait la phase de nouveau tournant de l'histoire d'Haïti. Ou même que ces jeunes garçons capitaine débat débat. À partir de l'année 2022-2023, pas aucun gens pour c'est pas un nouveau tournant pour Haïti. D'ailleurs, c'est pas seulement Haïti. C'est pas seulement Haïti, non la bonne nouveau tournant pour lui. C'est le monde entier. Nous voyons ça qui a passé avec question Covid. Ouais. Avec question l'autre variant ouais là dans moment là dans monde là. Nous voyons ça qui a passé avec la guerre qu'a fait entre pays à pays madame monsieur. Ça dit que à partir de 2022, 2023, 2024, 2025, ce sera donc un nouveau tournant sur le plan planétaire. Et Haïti, quel que soit Jonville là, nous obligés de prendre Koubla. Koubla obligé fait avec Haïti. Maintenant, il faut que nous mettions nos diapasons. Ok, pour nous capables de prendre forme vase là. Mais cependant, il faut que nous calions les jeunes. Pour prendre la forme vase là, pour nous demander exactement ce qui est bon pour le pays, ce qui est bon, madame, monsieur, donc pour le peuple haïtien. Toi, il y a le pot et plait pour me dire qu'il y a le pot et plait. Où est-ce que c'est le premier ministre? Monsieur, vous avez des coups sur des comptes. Il faut travailler. Oui. Moi, si je suis au Cap Campé. Docteur Ariel Henry, ça avec lui, vous n'avez pas de gueule en voix. Louko! Ah! Alex, bonjour, Maïla. Tellement saisi, ouais, bagaille, exactement. Cap dénoncé illégalité, décision. Mais Louko a fait photo, monsieur. Ah, monsieur. Et pas ça, dans son vidéo. Il veut bon là, puis il m'a tellement regardé. Ah, ok. Ah, ou presque dans l'une des tweets? Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Donc, c'est une image qui est très sensible là-dedans. Donc, monsieur, où est-ce que Kaye Pessan a parlé là-haut? Merci. Il a dit ça déjà. Il n'y a pas prêté serment. Donc, il n'y a pas capable de faire rien. Il n'y a pas capable de poser aucun acte. Il n'y a pas capable de faire aucun acte. Tout acte que tu as posé, l'app illégal, l'app nul et non avenu. Et de fait, je ne veux dire là, Ariel Henry prend décision pour le voir les gars aller. Mais c'est d'amis. Il n'y a pas de provision légale pour le voir les gars aller. Il y a une provision légale. Mais c'est pas d'un, il y a même tout. Et bien c'est l'illégalité qui a frappé l'illégalité. Qui provision légale pour le voir les gars comme ça? $40 million. $40 million. C'est un petit cop, non? Monsieur. Non, quand j'ai compris. Ce qui brûle. Chaque fois, il y a un rapport. Il y a un problème. Marie-Guilaine, quand j'ai compris. Chaque fois, il y a un rapport. Il y a un problème. Trésorier, son pasteur, lui. D'ailleurs, elle te dit. Trésorier, on passe. Que passe, monsieur? Que vous n'avez pas d'avoir au monde dans le conseil électoral? Vous suivez bien contre moi. Vous captez la Kailia. Oui. Regardez. Vous suivez bien contre moi. C'est comme ça, Van Brun. Bon, même, je dis à l'âme besoin pour qu'il y ait des explications qui baillent sous l'argent. Kaipia. Ok, nous gagnons 3 points sur table, nous gagnons 2 que nous avons traité ensemble et nous avons exactement sur ça, nous parlons là. Cyclone monsieur. Match, vous pouvez rapport dans le sud. Haïti. Vous 4 millions. Haïti politique, dossier élection, bras de fer entre les conseillers électoraux et la primature. Le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, pourra-t-il les arrêter? Nous avons traité avec le point qui dit. Haïti politique. Le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, promet des élections et un référendum pour 2022. À quoi peut-on s'attendre? Bon, moi-même, je cherche. Salut Rafi et sa femme. On va aller de bois de fer. Bon, moi-même, je vais le poter, docteur Ariel Henry. Combien de gens qui gagnent l'autre bois?
Qui bon? Neuf femmes. Yeah. Moi, porter bail monsieur 9 frigoises. Pour rigoiser mon yo. En quoi? Je cherche. De l'illégalité à l'illégalité. Docteur Ariel Henry, Docteur Ariel Henry frappé de l'illégalité à l'illégalité. L'a attaqué et moi-même pas à côté parce que faut que tu comprennes. Dans moment, y a pas de prêter serment, y a pas de gain place là. Comme des les jeunes ils savent dénoncer ça tout oui. Ok. Non ça qui là, madame monsieur. Oui. Non ça qui là? Ça dit là. Bomdo. Les jeunes, excusez-moi quoi. La dernière là oui. La dernière là. La dernière là. Ok. Non ça qui là, madame monsieur, faut nous comprendre bien. D'ailleurs c'est ça fait que matin débat là. Pour faut comprendre, il y a politique là pour faut comprendre. Conjoncture là. J'ai non neuf mon bien. C'est le journaliste Mike depuis Saint-Marc. Il y a ce journal là. Gon bataille là entre l'équipe de unité qui avec le docteur Ariel Henry, parce que c'est quand même sa famille, qui vient renforcer par l'équipe du PHTK. Monsieur Ariel Henry a été ministre sous la présidence de l'ancien président Joseph Michel Martelly. Et son choix a été également donc discuté entre le président Jovenel Moïse et l'ancien président Joseph Michel Martelly. Ok, ça son camp. Et les alliés de ce camp-là, nous avons SDP, avec toute l'autre partie qui s'y est encore, avec le docteur Ariel Henry. Ça, c'est un camp. L'autre camp qu'on face à là, c'est le camp des jovenelistes. Ce matin, je voulais m'adresser à ces messieurs et dames se disant être des jovenelistes. Faut faire très attention. Ça va exister. Et là également ce matin, je vais également m'adresser à madame Martine Moïse, l'ancienne première dame de la République. Parce que jouette qu'a vu là madame Martine Moïse, son jouette tout tivis. Ou qu'a gagné tout ou qu'a perdu tout. Donc c'est rapport de force là. Maintenant les jovenelistes. Madame, monsieur, nous-mêmes qui suivent politique, qui suivent matin débat, gardez pour vous, est-ce que docteur Ariel Henry inquiète le premier ministre ne s'inquiète pas? Pour qui ça? C'est vague. Parce que l'ancien président Joseph Michel Martelly qui campait des dôles, et ancien président Joseph Michel Martelly, quand même, on met d'accord, on ne doit pas d'accord, il s'est garant quand même des intérêts de certains secteurs de l'international. Exact. Et l'entourage Ariel Henry qui serait ouais José Pierre Louis qui c'est président Martelly rouge qui, secrétaire général conseil des ministres et qui c'est actuel secrétaire général parce que l'équipe de Martelly l'équipe de Martelly même dit l'équipe de Martelly. On m'a dit PHTK non? L'équipe de Martelly. L'équipe de Martelly. Non, on m'a dit PHTK plus PHTK. Non, m'a metté PHTK à part. Pour ça me dit l'équipe de Martelly. Il y a des amis de l'ancien président Joseph Michel Martelly qui très fort en politique là aux États-Unis Washington. Est-ce qu'on okay, là qui parle en PHTK? OK, d'accord. Il y a des amis. Il y a des amis de l'ancien président Michel Martelly. Je dis à là qui c'est des entrepreneurs qui n'a pays qui n'a politique qui pas n'empêche OK qui pas n'empêche qui pas question PHTK ouais. Maintenant Ariel Henry gagne l'équipe de Martelly OK d'elle plus Divine gagne l'équipe de PHTK d'elle plus allié Divine gagne allié au PHTK qui c'est SDP André Michel OK avec il y a des alliés de PHTK avec l'autre allié PHTK aujourd'hui qui campait avec elle dont Place pas donc de du professeur Dieudonné Lérisson. Et place pas son gros morceau. Et c'est sous ça que, en fait, Ariel Henry a vu la cognac là lui-même. Ça dit que sur le plan politique, il y a certaines assises là. Mais même si c'est à 70 ou à 80%. Ouais, c'est cool. Ça qui est là. Hein? Ouais, c'est cool, hein? Yeah. Oui, mais dans qui est là. Ouais, c'est cool. Okay. mais ça qui est là. Oui, mais ça, moi, ça, hein? Non, ça va le balai. Non, ça va le balai. Ça va le balai, mon frère. C'est électoral qui va le monter.
Oui, bon. Dans le choix, mon secteur vaudou. Est-ce que c'est la petite Céline qui choisit mon nom? Bon, si. Non, pas de problème. Ok. Le patin à Babalil, comment radio. Calendrier des mondes. Calendrier des mondes. Ok. Elle dit que ça c'est. Ça c'est pour les parties, madame, monsieur. Maintenant. Où vient jouer l'équipe de l'ancien président Jovenel Moïse qui divisait sous question Ariel Henry, madame, monsieur. Ça dit là. L'équipe de Jovenel Moïse, divisé. Oh. Comment? Comment divisé? Alors, c'est vraiment dire que les jovenelistes font faire très attention là. Non, mais, parce que, permettez. Je vais tout diviser là vraiment. Allez, mon frère. Bon problème sur le mot ça. Jovenelistes là. Ça quoi c'est? Non, parce que c'est que tu te montes. Non, quand c'est que tu te montes, permettez. Ça fait nous tenir compte de lui. Ça me gaba. Son président de la République qui a assassiné la Kaili, ou pas j'aime tendre un petit wash, ou pas j'aime tendre. Nous habitués ici. Nous avons un bagage compact. Pour nous réclamer des gars de justice pour justice. Mais pourquoi le compact? C'est dans le nord-ouest qui fait. C'est le nord-ouest. Le nord-ouest avec le nord-est. Mais nous, son président de la République. Alors qu'il n'y a pas de rien. Non, il y a. C'est vrai, je vais faire là. C'est que les jovenelistes font faire très attention. Parce que madame, monsieur. Je venais de descendre. Mounjo Diawek a parlé pour les jovenelistes. Et au nom des jovenelistes, n'en déplaise à eux-mêmes. Je veux dire, dans l'opinion, dans le monde qui croit que c'est eux-mêmes qui. Traîner président. Et ouais. Bah, il nous cloche. Et qui fait que je dis à même. Ils sont capables de vivre assassinés. N'en déplaise à eux-mêmes. Parce que Gilad c'est des amis de Matin Débat. Ouais. Ça dit que je dis, est-ce que c'est un libériste qui t'a dû prendre devant pour parler pour les jovenelistes? Est-ce que c'est un Guichard qui t'a dû parler pour les jovenelistes? Je dis à tout, il faut regarder position Ardouin Zéphirin dans le mouvement qui a rapport avec les jovenelistes là. Nous avons dit, madame, monsieur, nous avons de force. Il a donné. Non, est-ce que le signe? Monsieur, on président de la République, monsieur, comme si monsieur nous prenions, fanatique, ça, c'est mon nord-ouest avec mon nord-est. Qui est le jovenel? Monsieur, pas ça. Bah, il va exister.